Bilan très positif, enfin, une belle année, une belle expérience surtout, une aventure humaine incroyable. Beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, beaucoup de peur aussi, c'est vrai. Quand j'ai ouvert ici au quatrième mur le 8 septembre 2015, et le bilan aujourd'hui est très positif. On a pris notre vitesse de croisière, on a encore beaucoup de choses à affiner, bien évidemment, et c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me fait avancer, c'est toujours d'essayer de faire mieux. Le concept, il est simple, c'est en fait, c'était de, pour moi en tout cas, de ramener la gastronomie, ce que j'ai toujours fait en fait depuis plus de 20 ans, à quelque chose de peut-être d'un peu plus simple et surtout ouvert au plus grand nombre, de rendre accessible en tout cas la gastronomie. Ce que j'ai fait pendant toutes ces années, ben, je l'ai ramené ici à l'essentiel, on va dire, parce que le squelette, il reste le même. Après, c'est juste des détails, des différences, mais le fond, la trame, elle est identique. Voilà, et c'est ça aujourd'hui, je pense, le vrai concept et la vraie originalité du quatrième mur. En plus, avec un véritable souci de changer toutes les semaines, d'amener des plats nouveaux, faire découvrir aux gens. Et surtout, amener mon équipe justement à toujours se dépasser et jamais à stagner. C'est dangereux. C'est quoi cette table ici? Mais en fait, c'est la table en cuisine que j'ai ouverte officiellement, on va dire, il y a à peine une semaine, où là, effectivement, je fais des repas un peu différents. C'est des repas plus gastronomiques, très différent d'en haut, essayer de faire passer aux gens finalement un moment un peu privilégié dans l'ambiance des cuisines du quatrième mur. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les gens qui voudraient venir visiter, qui ne sont pas venus encore à Bordeaux? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ben, venez faire un tour, voir comment ça se passe. Tout le monde est le bienvenu ici, hein. Mais c'est vrai que mon objectif, c'était déjà de ramener, de rendre ce lieu en tout cas au Bordelais, parce que c'est un lieu qui leur appartient aussi. C'est un endroit magique et ça fonctionne plutôt bien. C'est vrai que les Bordelais sont au rendez-vous, une grosse clientèle française, et pour moi, c'est le plus important. Après, le reste, c'est du bonus.